la couronnée d'Afrique, également connue sous le nom de couronne blanche, Stephanoaetus coronatus, est une grande espèce d'aigle que l'on trouve en Afrique subsaharienne. Voici une description de la couronnée d'Afrique. Apparence générale, la couronnée d'Afrique est un aigle de grande taille, mesurant environ 80 à 90 cm de longueur et avec une envergure d'aile d'environ 1,8 à 2 mètres. Les mâles et les femelles ont une apparence similaire. Le plumage de la couronnée d'Afrique est principalement brun foncé. Elle a une tête massive avec une crête caractéristique de plumes blanches qui lui confère son nom. Le dessus de la tête est brun sombre, tandis que le menton, la gorge et la base du bec sont blancs. Les parties supérieures du corps sont brun foncé, tandis que les parties inférieures sont plus claires avec des rayures sombres. Les ailes sont grandes et arrondies, et la file d'attente est longue et légèrement étagée. Caractéristiques distinctives, outre sa crête blanche distincte, la couronnée d'Afrique a de puissantes serres et un bec crochu et robuste. Ses yeux sont de couleur jaune vif. Habitat, la couronnée d'Afrique habite les régions boisées et les savanes arborées de l'Afrique subsaharienne. On la trouve dans une grande variété d'habitats, notamment les forêts tropicales, les zones de brousse, les montagnes boisées et les zones riveraines. Elle peut également être enregistrée dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Comportement, la couronnée d'Afrique est principalement un oiseau sédentaire, bien qu'elle puisse effectuer de petites migrations locales en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires. Elle est généralement solitaire ou se trouve en couple pendant la saison de reproduction. Elle est connue pour ses vols majestueux et sa capacité à planifier sur de longues distances à la recherche de proies. Adaptation physique. La couronnée d'Afrique possède des adaptations physiques qui en font un prédateur efficace. Ses serres puissantes lui permettent de saisir et de maintenir fermement sa proie, tandis que son bec robuste et crochu lui permet de déchirer la chaise. Ses yeux perçants l'aident à repérer ses proies depuis les airs. Vol et chasse. La couronnée d'Afrique est connue pour son vol puissant et agile. Elle peut planifier pendant de longues périodes à des altitudes élevées à la recherche de proies. Lorsqu'elle repère une proie, elle plonge rapidement pour l'attraper, en utilisant sa vitesse et sa précision pour réussir ses attaques. Territorialité. Les couronnées d'Afrique sont territoriales et défendent activement leur territoire contre les intrusions. Elles utilisent des cris puissants et des postures menaçantes pour éviter les autres aigles de rester à distance.
Alimentation, la couronnée d'Afrique est un prédateur puissant. Son régime alimentaire se compose principalement de petits et moyens mammifères, tels que les singes, les mangoustes, les écureuils et les rongeurs. Elle peut également se nourrir d'oiseaux, de reptiles et de grands insectes. Reproduction, la couronnée d'Afrique construit généralement son nid dans les arbres, à une hauteur considérable du sol. La femelle pond habituellement 1 à 2 œufs, qu'elle incube pendant environ 45 jours. Les deux parents participent à l'incubation et à l'élevage des jeunes. Les jeunes aigles quittent le nid après environ 3 mois et deviennent indépendants peu de temps après. Importance écologique. En tant que prédateur, la couronnée d'Afrique joue un rôle clé dans la régulation des populations de petits mammifères. Elle contribue à maintenir l'équilibre écologique en contrôlant les densités de proies potentiellement nuisibles. Statut de conservation. La couronnée d'Afrique est actuellement classée comme espèce quasi menacée sur la liste rouge de l'UICN. Les principales menaces qui pèsent sur elle sont la destruction de son habitat, le braconnage et le commerce illégal des rapaces. Importance culturelle, la couronnée d'Afrique est vénérée dans certaines cultures africaines. Elle est souvent considérée comme un symbole de force, de puissance et de sagesse. Dans certaines traditions, ses plumes sont utilisées dans des rituels et des cérémonies. Communication. Les couronnées d'Afrique utilisent une variété de vocalisations pour communiquer entre elles. Les cris comprennent des sifflements, des grognements et des miaulements. Les aigles peuvent également exposer des comportements visuels, tels que le déploiement de leurs ailes, pour communiquer leur statut territorial ou leur intention. Écologie. En tant que prédateur en haut de la chaîne alimentaire, la couronnée d'Afrique joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes où elle vit. En régulant les populations de proies, elle contribue à prévenir les éventuels déséquilibres écologiques et à maintenir la santé des écosystèmes forestiers et des savanes arborées. La couronnée d'Afrique est un oiseau majestueux et impressionnant, avec son allure imposante et sa crête distinctive. Elle est appréciée pour sa présence dans les paysages africains et joue un rôle écologique important en tant que prédateur régulateur des populations de petits mammifères. Thank you.
longévité, la couronnée d'Afrique a une espérance de vie relativement longue. En captivité, elle peut vivre jusqu'à 25 ans, tandis qu'en liberté, sa longévité est estimée à environ 15 à 20 ans.